a un coffre. Il y a quelque chose par là ou pas? Je peux les sentir là-haut. D'accord, c'est la suite du... Hâte de rencontrer Skoll et Hattie, petit. Eh bien, du chemin. Après avoir écouté tes histoires, ça va faire bizarre de les voir en vrai. De la légende à la réalité. Alors... Au moins, ça promet d'être passionnant. F. Bon, faut faire attention, hein. Des fois, ils ont multiples... Ah, Michel... Mimir, tu disais bien que Ragnarok a un lieu quand Skoll et Hattie attrapent le soleil et la lune, non? J'ai dit que c'était prédit, petit. Deuxième. Une prophétie. Et après avoir vu les normes, nous ne versons plus là-dedans. Moudin y croit, lui. C'est quoi, ça, c'est sans doute pour ça que les Emeria ont fait la lune. Il essaie encore d'éviter le Ragnarok. Ou bien il s'y prépare. C'était une lance qui était... une guerre factice dans ce royaume pour distraire ses ennemis. Oui, c'est possible aussi. Il me reste celui-là, où est-ce qu'ils l'ont mis? Est-ce qu'ils l'ont caché? Ok. C'est pas loin, hein. Ah, il y a une ronce. Grande flèche. Précieux des fois. Hein. J'ai pas fait gaffe, mais il y en a. Je crois qu'il y en a qu'un. Pomme pomme. Nice. C'est complet. Plus de vie. C'est plus que bon à prendre. Ouais, il y en a qu'un.